Yolo les potos, c'est GA5P, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, on va essayer de retrouver, enfin aujourd'hui, et cette fois, on va essayer de retrouver le masque des Korogu. Donc vous avez une quête qui apparaît quand vous obtiendrez le DLC. Ah oui, donc cette quête va seulement avec le DLC, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Bref. C'est un drôle de masque. Bourquette, c'est tout, spécial X1. L'édition spéciale X de Bourguette C'est Tout confirme la rumeur qu'il existerait un objet appelé Masque Korogu, habité par un esprit. Cet objet reposerait dans une forêt où les voyageurs se perdent souvent leur chemin, dans un coffre dissimulé dans le creux d'un vieil arbre terrifiant. Il semble qu'il existe une méthode bien pratique pour localiser ce coffre. Donc la forêt dans laquelle on se perd, c'est les bois perdus. Les bois perdus qui se trouvent donc en haut de la carte, là-dedans. D'ailleurs, si jamais vous arrivez à traverser les bois perdus, il y a une belle surprise à la fin. Ouais. Donc on se retrouve ici, à l'entrée des bois perdus. Donc je ne me souviens plus du tout pas où est le coffre. Donc je risque, enfin je me souviens à peu près de la zone où il est, mais plus exactement où. Donc je risque de mettre un petit peu de temps à le trouver. Bref, ici vous avez des torches, et donc la première partie des de les bois perdus, ça va être de suivre les torches. Si vous empruntez un autre chemin, une fumée va venir autour de vous et vous re-téléporter au point de départ. Alors si jamais la fumée vous attrape, vous pouvez juste courir dans la direction opposée. Si vous avez un peu de chance, vous arriverez à lui échapper. Donc on continue notre ascension dans la forêt Korogu. Enfin, pas la forêt Korogu, les bois perdus. Voilà, une fois arrivé ici, qui est une sorte de checkpoint, faut tourner à gauche. Ouais, je suis un GPS quoi. C'est cette arbre là. Regardez, ici il va falloir regarder, ça va être pareil pour finir la forêt. Il va falloir regarder les arbres qui font des grimaces si vous voulez. Enfin, les arbres qui ont des têtes. Donc lui. Lui par exemple. Regardez là, la fumée m'a. Hop, m'a attrapé. Je suis allé au mauvais endroit pour rechercher le coffre. Et donc quand la fumée vous attrape. Quoi? Je repars de là? Oh non! Il me semblait que je repartais de beaucoup plus loin. Bah, attendez, je vais faire une ellipse, le temps d'y aller. Tchuss! Voilà, donc je suis de retour là où j'étais. Tout à l'heure. Donc il y a des torches aussi, équipez-vous, ça peut vous servir. Bref, on reprend le chemin à droite de cet arbre. Encore un arbre qui fait une grimace. Passer à gauche. Pas trop pourquoi, mais on va passer à gauche. Hop, arbre qui fait une grimace. Un conseil, utilisez ça. Enfin, utiliser Polaris. Ça pourra vous aider à le trouver. Alors, par là, on avait dit que c'était pas par là. Allez, hop, la fumée m'attrape. Si jamais vous êtes pas, si jamais vous la repérez rapidement, vous pourrez avoir le temps de fuir. Si je ne me trompe pas, le coffre est par là. Ah, le voilà. Il n'est pas spécialement dur à trouver puisqu'il est sur le chemin. Et donc. Donc encore un beau coffre X, et on va l'ouvrir. Désolé s'il y a des petits faux raccords, des scènes qui sont un peu coupées, mais c'est parce que j'ai eu des petits problèmes de place, et donc du coup j'ai dû faire ça en plusieurs vidéos. Bref, donc le masque Korogu. Ce masque inspiré de celui qui porte les Korogu se met à vibrer si l'un d'entre eux se cache à proximité. Oula, si vous le vendez, vous ne pourrez plus jamais le récupérer. EX, un drôle de masque terminé. Donc on va équiper le masque Korogu. Et voilà. Donc, apparemment le masque se met à vibrer si jamais on s'approche du. Enfin. Si jamais on s'approche d'un. Je ne sais plus. Si jamais on s'approche d'un Korogu. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était GA5P. Oh yeah!